Naho niyumvira rwose ko ndikonkorera igihugu canje benshi ntibantahuye abandi nabo bakagomba kunyambika ibara ivyo ntacho vyari bitwaye iyo babigirira je nyene ariko rero babigirira nabandi barundi bene wacu muzotubonera mu byo dukora kandi rimwanezerwa natwe tuzoba duhimbawe Je me présente. Je m'appelle Roland Ruggiero. Je suis un jeune Burundais comme tant d'autres. Certains éléments de notre histoire me restent inconnus. J'ai souvent entendu parler de Rwagasore, le héros national, mais je ne sais rien de lui, ou si peu. Je sais qu'il était prince, fils de Mwami, qu'il était un compagnon de Nyerere et Lumumba, et qu'il est mort pour notre libération, assassiné 8 mois avant son grand jour de l'indépendance. Il a donné sa vie pour que naisse le Burundi. La plupart d'entre nous ne connaissent de lui que ce portrait, toujours le même. J'ai voulu en savoir plus. J'ai fouillé les archives, j'ai parcouru le pays, j'ai rencontré ceux qui l'ont connu, je les ai écoutés. Sa sœur d'abord, qui n'a rien oublié. Yari ifashe nk'umwana wo wo mu Rwanda sanswe mugari yambaye neza kuturusha yari yambaye ibirato byiza nibutura nziza n'amaburetere meza twebwe twambaye akabutura gatoya n'agashimizi kawe baguhaye nawe wenyine hari igikoni niho batekera Nibuka ingazi ingene nabo ndayikinira ko tukashunguruka Oke harababikira bakara barafise mbere ni idundu pulaye ikizu kinini yakibamwo inkoko za rusake nini umwana agize ikintu bashaka kumuhana bamusha muri yo dundu nako agasorero nawe ne yagiye muri yo dundu nyene nabo bese baramugiriye nabicana abapadiri bamukubita ikani na mopeli yari yabahaye akakoni ngo niyagira nabi muramukubita yashaka kumugura aba umugabo
iyo ndo yose abasore ni fina kubiye ni ni se yamurete neza ah chumba cha abasore cyari yagiye mu kiruko yarazaniye impuzo abana bagenzi biwe yarasaba se biwe ati hariho umwana atafite impuzo uramumpa ndamushira yamye afise urukundo kuva ari hasi Je sais comme tout Burundais que la Belgique était la puissance tutélaire au Burundi. Mais comment m'imaginer les relations entre l'occupant étranger et le Mwami, le prince Gwagasore ou le commun des Burundais? Quel type de relations entretenait-il? Ségrégation, partage de pouvoir ou rapport entendu? Je me demande finalement qui gouvernait. Le Rwanda-Urundi est un territoire sous tutelle placé par d'abord la SDN quand c'était le mandat, puis l'ONU quand c'est devenu l'ONU après la Seconde Guerre mondiale. On appelait ça le régime de la tutelle. Et donc, théoriquement, l'ONU avait le contrôle, mais le déléguait à une puissance administrante, comme on appelait, ou la puissance tutélaire, hein, les deux, qui, elle, était organisée de telle manière qu'en fait, on avait un vice-gouverneur général, à Rwa, en l'occurrence, dans la période essentielle de la vie politique de Rwagasore. Pendant 7 années, j'ai vécu à un très bon poste d'observation, surplombant 2 pays sympathiques. Quand j'en ai pris la direction en 1955, le Rwanda-Urundi était un territoire extrêmement pauvre, déjà trop peuplé, démuni de ressources naturelles. Pour moi, le mandat de la tutelle se justifiait donc surtout sur un plan matériel, économique, beaucoup plus que sur un quelconque plan politique. Pourquoi mon djungu yarakubwira ngo makaki kuchaku umurundi wasaliki kucari karakora yari makake hariho bijya byo gutwara ngo ibintu byiposho ibomani ibyo byose byagenda kukukandamiza abantu kuko hari abantu bitwa barongozi umurongozi aja kigisha ati ejo no gutwara iposho ibomani urya tabirose yaca kubitwa ikimoko Nta murundi numwe yarafise commerce nta murundi numwe yagira importation cyangwa exportation nta murundi numwe yoshobye kugira ngo aje gusaba agafaranga muri banki byari intereke ufatire mbere mu 1925 ababiri yamaze gushika ngaha mu mwaka ndakubariye barahinduye ibintu byinshi cyane mu byerekeye intwaro kuburyo umwami yacitse umuntu muto cyane bamugize umuntu muto cyane. Quand je marche ici sur les ruines, rien n'est resté de ce pouvoir belge d'antan. Je me demande tout de même quel était l'objectif d'un roi ou de la tutelle en préservant des poches de pouvoir au roi Mwambutsa. Les textes disent même qu'ils ont permis à Gwagasore de bénéficier d'une éducation privilégiée, voire d'élite. Était-ce pour le préparer à la gestion de son pays? Je suis un groupe scolaire de la street. Au Israël, la section administrative. Je suis un peu plus de temps. 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 Yagiye 52.
C'est intéressant justement à propos de ces études de Rwagasore et notamment quand le Mwami Mwambutsa commence à demander à ce que son fils parte faire des études à l'étranger. Il se retrouve une année à ce qu'on appelait l'Institut universitaire des territoires d'outre-mer, l'INUTOM, à Anvers, sans en avoir envie, avec assez peu d'intérêt pour ces matières très administratives. Comme ça ne fonctionne pas beaucoup, finalement, il réussit à obtenir la réorientation de ses études vers des cours d'agronomie. Quand Rwagasore arrive en Belgique, il est le deuxième universitaire, universitaire non religieux. Le premier, c'est Biroli. Donc il n'arrive pas en Belgique en trouvant déjà tout un tas d'étudiants burundais. Pas du tout. Ils sont une petite poignée de mains, et notamment Biroli, avec qui il semble s'entendre très bien et avoir des compagnons de sortie communs. Icyifuzo cyanjye cya mbere ni ukumenya byinshi byari bikenewe rero kumva mu Burundi ndiko ndagenda ndaba amahingurira atandukanye muri make nifuza kumenya ibyogirira akamaro Burundi mu minsi iri imbere ko 56 ho namumenyeye mu Biriki naragiye kuraba donka aho yagira amashuri twaragiye kumva ku makonferanse menshi yarambiye ati hari ha club hari ha konferansiye bamba bava mu France hari amajambo abantu baza kuvuga ibya independence y'ibihugu hari abantu baje kuvuga ingene iterambere ry'ibihugu rimera utuntu ugenda utabiravye hari abazungu baserukira abirabure hari abirabure baseruka hariya baje muri ntuze muri parlema za hariya kandi bose bavuga independence. En Belgique, où M. Rwagasore étudie de 1952 à 1956, il n'obtient aucun diplôme. Il échoue à l'examen de sortie de l'Institut universitaire des territoires d'outre-mer, et bien qu'il ne se présente qu'en qualité d'élève libre, il ne connaît que des insuccès à l'Université de Louvain. Par contre, il noue des relations avec des individus peu recommandables du type van der Sleyen et manifeste déjà son caractère ambitieux et anti-belge. Rwagasore était à peine plus jeune que moi, 25 ans quand il est rentré au Burundi. Les archives mentionnent que sa première requête, à son retour auprès du résident belge, fut la demande de création d'une constitution Burundi. Quand même, déjà 25 ans, il semble donner un avertissement au pouvoir colonial, parce que qui entend constitution entend l'indépendance du Burundi. Burundi. Yavuze byumvira ko agomba ku Burundi kwikukira nicyo cyabuza uba kivura ya sanze abantu bakinnyi akagomba kubatera imbere acya tanga kwishyura amakoperative mu masheferi yose bwa mbere hadandaza abagreki n'abarabu nta Murundi yadandaza byose bashorera abahini n'abarabu Rwagasore rero we yagomba ko abarundi nabo bamenya kudandaza ikawa yose bashorera akasima abarundi mugabo Rwagasore yagira ati bo namwe muzoze murayigura muhezi mushure muronka iwayo